Si on ne peut pas donner tout le respect au roi et demander ses bénédictions. Parce que c'est ça. C'est au nom de la DDR, c'est une institution islamique de prédication. Donc, ils sont en tournée nationale avec l'un des prédicateurs les plus connus à travers le monde entier, l'un des prédicateurs islamiques, bien entendu, le docteur Abdul Majid, que beaucoup connaissent. Donc, il est de la République démocratique du Congo. Donc, il est en Côte d'Ivoire pour une tournée nationale sur la cohésion sociale et la paix. Donc, c'est le cas vraiment. Tantôt de Dieu, nous nous excusons pour ce petit retard vraiment qui vraiment indépend de nos volontés. Donc, avec votre permission, on va vous présenter la délégation. Donc, je te commence ici par présenter bien évidemment le docteur Abdul Majid Kassoubia de la République démocratique du Congo. Et il est prédicateur international. Donc il est ici dans le cadre d'une tournée avec la DDR, une structure islamique ivoirienne, Adieu dans la rue, et avec un thème principal qui est l'apport de l'appel à Dieu dans la cohésion sociale. Donc c'est dans ce sens qu'il est en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. On a ensuite l'imam Amidou Berté de la mosquée Al-Istikam à Tekoubé à Abidjan. Il est l'un des grands prédicateurs imam ivoirien. Il est aussi de la DDR et il est dans cette tournée aussi donc comme prédicateur. Merci. On a ensuite
Ici le frère Abdul Malik, venu tout droit du Congo avec le docteur Abdul Majid qui est aussi prédicateur. Donc, et en tout temps et tout lieu, il est aux côtés du docteur dans toutes les tournées. Donc il est ici aussi en tant que prédicateur. On a le frère Abdallah Anifi, il est d'origine congolaise, donc de nationalité française. Il est aussi avec le docteur Abdul Majid ici, dans cette tournée, donc pour la prédication. Et nous avons ici Oustaz Diané Bassana, qui est le président national de la DDR, cette structure islamique qui veut dire appel à l'islam donc dans la rue. Il est le président fondateur, il est aussi prédicateur. Et nous avons Ismaël Aka, qui est le vice-président donc, de la dite structure aussi, et l'adjoint d'Oustaz Diané, aussi prédicateur. Donc, merci. Bien aimé. Nous sommes aussi accompagnés par Imam Hassan Touré, président régional du Côte d'Ivoire, que nous connaissons. Voilà, que nous connaissons tous. Donc, bon, je compte tout le temps, que on va nous arrêter là pour la présentation. Donc, aussi par rapport aux nouvelles, comme je vous ai dit, ils sont là dans le cadre d'une tournée nationale, donc c'est le cadre de moi. Donc, si peut-être à Dieu, demain, vendredi, à partir de 19h, il y aura une grande conférence publique à la place de la paix. Et aussi, le samedi également, il y aura aussi une deuxième conférence aussi également à la place de la paix à 19h. Donc, voici un peu de nouvelles. Donc, comme je vous disais tantôt, nous sommes là dans le cadre vraiment de demander la bénédiction du roi pour que la venue se passe bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le roi et sa cour sont heureux de recevoir nos frères, nos guides religieux, ceux-là même à leur chemin, que Dieu donne la paix. Il est heureux de vous avoir dans sa cour, dans son bureau, dans sa région. Mais eux, le masseur, eux, le seul,
que mané wanu ina ma wanu ya damne akwai wabo da kai sauri ba nu ya kan ngo ka bete nda ngo kwa ko ita muwa ka tura nenne ko di guza boba ko di ukure ko ga mama ne ina ba kai anuwa ni ka da kun ka sala da ya ku ina ba Le roi est particulièrement heureux que des guides religieux viennent de loin, viennent de près dans sa région, prier pour qu'il y ait la cohésion, la paix. Mais il avait déjà un souci parmi les frères musulmans à propos de deux mosquées. Et comme le guide est arrivé, il prie pour que les frères et sœurs, il vous prie que vous intercédiez auprès d'Allah afin que tous les frères et sœurs des deux mosquées dont nous parlons parlent le même langage. Quand on se réclame de Dieu, on cherche l'homogénéité, on cherche la paix, la cohésion. Il est d'autant plus content que cela était toujours son souci. Pour lui, il considère déjà même que le souci s'est dissipé avec l'arrivée de ce grand guide, qui est notre frère. C'est Dieu qui l'a orienté en Côte d'Ivoire et singulièrement dans sa région. Il dit encore merci à eux, à tous les adeptes. Unissez-vous et que la prière porte. Que Sa Majesté, le lieutenant premier Pascal, vient de dire. Il est très content parce qu'on lui a dit un souci. Quatre. Merci. Au nom de Dieu, le Créateur suprême, vers qui nous allons tous nous diriger, à qui nous allons tous rendre compte, un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous ne sommes que les créatures, ici-bas pour faire la volonté du Créateur. Mais à travers cette volonté du Créateur, ce dernier a bien voulu donner une part de son autorité à des humains à qui nous devons obéir avec déférence et révérence. Et donc, de par ce acte divin, nous, en tant que venants, je ne dirais pas étrangers, mais en tant que venants, nous faisons croire que nous sommes déjà chez nous, avec l'accueil qui nous est offert ici, avec l'honneur qui nous est fait par notre roi et toute sa notabilité, toute la cour. Ne serait-ce que cela, nous vous disons merci pour cet accueil chaleureux et honorable. Merci aujourd'hui, merci demain et merci toujours. Que le Seigneur garde sa bienveillance et sa main protectrice sur le roi et sa cour. Amen. Qu'ils fassent que tous leurs projets d'union et d'unité, d'harmonie, de cohésion à l'endroit des populations soient concluants. Amen. Que nous, nous soyons acteurs et des acteurs pour consolider leurs actions et non des vecteurs de division. Surtout que notre démarche est placée sous le thème de la porte de la da'wa, c'est-à-dire de l'appel, de la prédication dans la cohésion sociale. Et nous nous sentons d'autant plus dans une position délicate
que notre roi nous confie une tâche difficile, mais pas impossible, qui est d'approcher nos différents frères. Nos différents frères des deux mosquées, les appeler au pardon, à la tolérance, à l'indulgence, à l'amour. Nous allons nous y essayer sans prétention. Sans prétention. Ce n'était pas dans notre idée parce qu'on ne savait pas. Mais comme cela nous revient de la plus haute autorité coutumière et traditionnelle, du plus haut gardien de la tradition du Tompi, nous insérerons cela dans notre programme. Nous allons faire violence sur nous pour que ça soit inséré dans le programme. Qu'on y parvienne ou pas, mais fasse Dieu que nous y parvenions, nous allons nous y essayer. Rien que pour l'honneur. Merci. Mais nous avons besoin de son accompagnement en prière. Lui et toute la notabilité. Et nous ne doutons pas que ces prières seront exaucées. Fasse Dieu qui dure le plus longtemps possible dans le sur le trône et vous avec. Que Dieu nous garde tous. Même si pour finir, je vais ajouter un petit gros grain de sel pour dire que, avant que je sorte, si vous devez nettoyer mes chaussures, vous tous. Parce que c'est votre chef maintenant qui parle. Le grand, c'est le faux qui parle. Donc, apprêtez-vous à nettoyer mes chaussures avant que je sorte. D'accord, merci beaucoup. C'est toi qui vas le faire. Donc, si c'est bien m'arrêter, monsieur le protocole. D'accord. Cher papa, passez un peu vers le tout. Je sens vraiment très heureux et déjà vraiment intégré. Donc, ils ont plus notre expérience de Sa Majesté. Donc, prendre de l'aide mieux que vraiment faire une comme il a dit, avec vos prières, parce que l'on va passer un peu d'exercice. Merci. Vous pouvez venir pour votre Je ne voudrais pas prendre la parole comme je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais à partir de ce que mon allié vient de dire, ça m'oblige à lui dire d'abord merci et à lui faire remplir le courage des mâles de la montagne. Sinon des montagnes, parce que le blanc a dit à 18, nous actuellement quand on compte là, jusqu'à la Sano Ouattara est la 19e. On dit 18 montagnes. Mais la Sano Ouattara a fait que nous comptons aujourd'hui, lui-même on ajoute, il fait 19e montagnes. Fort de cela, si nous avons un allié, il vient nous rendre visite
et qu'il nous encourage. À partir de ce qu'il vient de dire, il nous a encouragés déjà. Parce que c'est le seul problème que nous avons à Maïs. Comment voulez-vous qu'on entende des gens qui puissent dire matin et soir qui ne s'entendent pas? Vous allez voir, cette mosquée, elle est devenue comme si rien n'était. Moi, mais je ne comprends pas mes parents musulmans. Il y a un jour, au moins, il faut savoir se pardonner. Surtout, une maison où on va faire la prière, où on va adorer le Seigneur. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, je cherche tous ceux qui peuvent nous aider à faire cette paix. Ça a passé le tribunal, ça a passé jusqu'au haut lieu de nos tribunaux. Mais tout ça, il faudrait qu'il y ait le courage entre les deux parties, à partir de prières, pour se mettre ensemble. C'est pour cela que je lance cette douleur à mon allié qui arrive, qui veut faire même la prière à deux reprises. Je suis obligé, je lui fais confiance. Il sait comme il a dit, si il vit dans la volonté, Dieu va accepter sa prière. Vraiment, que nos mânes, vous qui avez l'habitude, après moi, de leur parler, de leur faire la libation, ils donnent la clé de la région à notre allié. Je vous remercie. Il a la clé de la région. Il peut faire cette prière. Venir à la salle, venir l'administration, venir en tout cas tous les Ivoiriens, tous les Manois et même toute la population de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas qui a la vérité. C'est Dieu seul qui connaît, qui parle et qui se met dedans. C'est pour cela qu'il ne faut pas refuser le remerciement de qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu qui est derrière cette prière. Tu ne connais pas. Si il te dit, je te bénis, tu vas vous mal quand. Mais tu ne sais pas qui vient, pourquoi il te dit ça. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez la clé de la ville. Même la clé de la région. Vous pouvez suivre partout. Merci beaucoup. Tiens, Yaké, c'est ce que je voulais ajouter à partir de tout ce que tu dis. D'accord. Chef Papa, oui. Donc, la délégation vous dit merci. Okay. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir ouvert la porte de la région. C'est ça. Donc, il a mis la clé. Chef. Si j'ai oublié, je suis parti avec vous, je vais appuyer. D'accord, donc ici, nous sommes vraiment demandés par les travaux pour que nos autres puissent vraiment se reposer. Pour qu'ils puissent vraiment commencer à se reposer. Donc, je vais passer un peu. Merci. Comme nos alliés, nous, on n'a pas de l'eau à nous, il faut leur donner cola. C'est ça. Cola, ils nous disent que somme 25 000 francs, ça n'a pas de valeur, mais ça a la valeur de cola. C'est ça. Et en Afrique, c'est le symbole qui prévaut. Le roi dit que quand tu es dans une situation qui semble difficile, tous tes frères qui se rassemblent pour venir t'aider, te tirer de la situation, c'est une très bonne chose. Et en guise de reconnaissance, déjà, Inch'Allah, il faut les aider à t'aider. Ceci n'est qu'une simple somme qui signifie symboliquement de la cola que nous devons consommer pour rester éveillé et prier l'Éternel. Voilà. C'est vrai, on n'a pas de boisson.
On dit bien cola. C'est la cola. Voilà. Merci à vous. Vraiment, vous dire merci. Merci pour le geste. Vous avez nous aider. Si la route nous est apportée, avant de nous lever, nous souhaiterons avoir un choix avec sa il va rester assis, vous allez rester assis. Bon, ça va, justement. Non, ça va. Vous pouvez rester assis. Non, ça m'a fait. Ah, c'est bien. Que ça soit bien. C'est bon. Il a déjà pris. C'est fini. Les deux vont passer. Ok, d'accord. Au cours de Dieu, j'en bois prendre.